Invité sur le plateau de l'émission Chez Jordan, diffusée sur C8 ce mardi 27 juin, Caroline Barclay a évoqué la pension qu'elle continue de toucher depuis la mort de son ex-mari, le producteur de musique Eddie Barclay, mais est aussi revenue sur leur histoire d'amour. En toute franchise, elle a reconnu que leur différence d'âge était énorme puisqu'elle avait 20 ans lorsque son compagnon en avait 64. Ça peut choquer, mais bizarrement, les gens, après, une fois qu'on a commencé à être ensemble et qu'ils nous croisaient dans la rue et autres, n'ont jamais eu de mauvaises réactions, de mauvaises paroles. Ils étaient très gentils, a-t-elle affirmé, avant de reconnaître que son ancien époux avait une très bonne image de façon générale. C'était quelqu'un de très gentil, de très ouvert, facile d'accès, a développé Caroline Barclay avec tendresse. Au sujet de l'officialisation de leur histoire auprès de ses parents, celle qui connaît bien Gérard Depardieu a toutefois assuré que son père a d'abord été un peu choqué, notamment à cause de leur importante différence d'âge et parce qu'il était protecteur, puis est tombé sous le charme de son compagnon, avec lequel il était devenu très copain. Supérieur à supérieur à les stars rendent hommage à Eddie Barclay, une 8e épouse avec laquelle l'union a duré 10 ans. Sa mère, de son côté, a eu une confiance totale en son choix sentimental. Elle m'a dit, écoute, si tu penses être heureuse avec cet homme-là, je te fais confiance. Ma maman l'a très bien pris, a ajouté Caroline Barclay. Pour rappel, elle a été la 8e et dernière épouse de l'ancien éditeur et producteur de musique, mort en mai 2005 à l'âge de 84 ans. Elle avait fait sa rencontre en 1988 lors d'un casting organisé à Lyon. Son futur mari l'avait aussitôt repérée et avait eu un coup de foudre pour elle. Après un déjeuner passé ensemble, Eddie Barclay était passé par son assistante pour la recontacter. Si elle a hésité à le revoir, parce qu'il l'avait invité à l'autre bout du monde, elle a fini par succomber et par se rendre compte qu'il lui manquait. Peu de temps après le début de leur relation, ils se sont mariés et leur union a duré 10 ans, jusqu'en 1998. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran C8.